Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma en compagnie d'un réalisateur. Bonjour, monsieur Freddy. Bonjour. Freddy Mouchard, vous êtes réalisateur, vous avez une société de production qui s'appelle Bethel, et vous nous offrez un DVD, un film qui s'appelle Compostelle, le chemin de la vie. Et donc nous allons partir avec vous sur les chemins de Compostelle. Ce film est très esthétique. Et d'abord, c'est ce qui m'a tout à fait séduit parce que vous nous présentez aussi bien les beautés de la nature que les beautés de l'architecture. Et ce chapelet d'églises et de cathédrales et d'abbayes sur ces routes vers Compostelle, magnifique. Merci. En fait, c'est le chemin qu'il faut remercier. Ouais. Parce que le chemin de Compostelle, c'est ça. Le chemin de Compostelle est jalonné d'étapes magnifiques, d'édifices, d'aventures. Chaque étape est une aventure. Et quelque part, chaque édifice vous raconte quelque chose. Vous traversez le chemin et il vous traverse. C'est ça qui est merveilleux. Et donc, tous ces édifices ont un rôle, évidemment, dans ce chemin initiatique. Alors, vous avez monté ce film de façon très originale. Il n'y a pas que le chemin. Il y a des enfants qui jouent au jeu de loi. Pourquoi ? Mais en fait, le jeu de loi, déjà d'un point de vue symbolique et d'un point de vue historique, remonte au Moyen Âge. C'est effectivement un jeu du Moyen Âge. On regarde aussi, lorsqu'on regarde sa forme, il représente aussi le labyrinthe, ce labyrinthe qui est présent au Moyen Âge et qui symbolise le chemin initiatique. Et qui est présent dans la cathédrale. De Vézelay, de Chartres, il y a différentes cathédrales qui ont conservé encore ces labyrinthes qui étaient présents très nombreux au Moyen-Âge, ils ont disparu. Et ce labyrinthe, ce jeu de loi nous raconte, nous figure le chemin initiatique, c'est-à-dire cet être qui part sur son chemin de découverte et qui va d'étape en étape, de découverte en découverte, de case en case. Et puis, quelle histoire de la vie ? Soit on tombe dans une prison, soit on avance, soit on multiplie les réussites. C'est l'histoire de la vie. C'est ça, c'est vraiment l'image de ce chemin. La vie est un chemin initiatique. Ce chemin de Compostelle, c'est ce que ça nous propose. C'est d'étape en étape, on va découvrir, se redécouvrir, rencontrer des épreuves, rencontrer des congénères, la nature. C'est un champ d'expérience magnifique, le chemin de Compostelle. Et puis alors, il y a les petits enfants qui jouent avec des cubes, des vieux cubes. Oui, alors il y avait le côté nostalgique, esthétique, vous parlez d'esthétique, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis il y a aussi l'idée qu'au départ, nous suivons différents pèlerins, et notamment une pèlerine qui est traversée souvent par la colère. Oui. Et donc cette colère est figurée aussi symboliquement par ces cubes qui s'éclatent, qui tombent, et donc ces enfants qui eux-mêmes peuvent vivre. Il y a des analogies, des correspondances entre le parcours du pèlerin et puis les enfants qui jouent et qui reconstituent cette image, et à la fin, effectivement, cette image va se reconstituer en même temps que cette personne va retrouver... C'est une belle métaphore, parce qu'en fait, chaque vie est une construction. C'est ça, à l'image d'un collier dont les perles se dispersent, et de fil en aiguille, justement, on reconstitue ce collier, on se reconstitue. Et puis, il y a ce personnage, cette marionnette, qui est très jolie, qui marche sur un théâtre et qui mime parfaitement toutes les souffrances du pèlerin. Oui, c'était très intéressant cette marionnette. La marionnette, elle était là aussi parce que, comme vous avez nous soulevé, il y a tout un champ sémantique autour de l'enfance. Ouais. Et donc, dans cette enfance, la marionnette était très intéressante. Elle est à la fois intéressante parce qu'elle montre qu'on voit souvent la main qui manipule cette marionnette. Mmh. Donc, ça nous interroge sur la question de nous-mêmes, est-ce que nous n'avons pas des fils qui nous tiennent et qui est au-dessus ? Qui serait au-dessus ? Ça s'interroge. Et je pense que le pèlerin qui marche tous les jours, il se pose ce genre de questions. Et puis, en même temps, c'était une image, une parabole de tout ce parcours que l'on fait d'épreuve en épreuve et cette main qui est toujours là. Et ce qui était merveilleux, c'est que cette marionnette, évidemment, elle a un visage figé.
Elle ne change pas d'attitude. Non. Mais au fur et à mesure du film, selon l'ambiance dans laquelle elle se trouve, le visage se modifie pour nous, spectateurs. Oui, et donc, c'est intéressant, cette question de la perception. C'est aussi un thème transverse dans le film, la question du regard qu'on porte sur le monde. Et je pense vraiment que le pèlerin qui marche sur ce chemin porte un nouveau regard. Il apprend à regarder le monde autrement. Et ça en fait partie. Ce sont des thèmes comme ça qui sont sous-jacents dans le film. Alors, il y a évidemment un petit côté écologique. On a l'impression que tous ces pauvres citadins sont tellement déconnectés de la nature que tout d'un coup, être devant un ciel étoilé, ils sont sidérés. En ville, il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus les ciels étoilés. La brillance de la pluie, la couleur d'un cours d'eau, la force des nuages. Enfin, on a l'impression qu'ils redécouvrent en fait la nature grâce au pèlerinage. Mais c'est clair que de toute façon, lorsque vous vivez, alors faire une petite randonnée une journée, c'est bien. Mais lorsque vous vivez pendant un mois et demi, chaque jour au contact de la nature, vous reconnectez à la nature, mais réellement. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, un phénomène que moi, en tant que pèlerin, moi je marche beaucoup, qui me marque toujours, c'est la course du soleil. Quand vous marchez toute une journée, vous sentez le matin, il fait frais, il fait froid. À midi, c'est le zénith, la chaleur est là. Et puis vous sentez quand le soleil s'en va. Dans une ville, vous ne percevez plus tout ça. Mmh. On est dans des villes où le bitume est complètement, nous coupe de la nature, de la terre-mère. Réellement, où on est ancré, on perd ça. Et c'est vrai que le pèlerin, chaque jour, il se reconnecte progressivement et quelque part, il réouvre en lui ces centres de perception et réouvre des capteurs qui étaient endormis, en fait. J'ai envie de dire, oui, c'est quand même un signe, parce qu'il y a de plus en plus de pèlerins. Le nombre de pèlerins augmente. Et on a vraiment l'impression que c'est presque thérapeutique. On a tellement de citadins qui sont complètement déconnectés de tout, qui sont renfermés, en colère, en échec. L'un de vos personnages a été viré à 58 ans alors qu'il est en pleine forme. On a l'impression que le chemin, c'est vraiment une cure, c'est pour se remettre en état. Oui, c'est un véritable espace de réconciliation, de thérapie, de calme, de reconnexion. D'ailleurs, on parle de ce type d'espace comme un pèlerinage. Le pèlerinage, c'est ça. On va vers une réconciliation, on se retrouve soi-même, on se transcende, on va faire c'est un chemin. On ne peut pas y aller aussi facilement que ça. On n'y va pas en train, on n'y va pas en avion, il faut prendre le temps, et c'est pas après pas, que l'on va vers ce chemin de reconnexion, d'ouverture, et il y a évidemment plein de phénomènes, hein. On pourrait détailler le phénomène de la marche, rien que la marche. Marcher, ça nous permet on retrouve une pulsation différente, ça n'a rien à dire d'un point de vue physiologique, on est coupé des connexions internet et autres qu'on a beau dire, nous font sortir de nous-mêmes. Nous envoie à d'autres endroits. Là, on vit vraiment l'instant présent, ici et maintenant, et ça de manière répétée pendant plusieurs semaines. Et donc, le phénomène s'installe. Et c'est là qu'il y a une modification des perceptions. Et ce qui est étonnant aussi, c'est l'osmose entre les personnes qui sont sur ce chemin. Alors, il y a quelquefois des ratés. L'une de vos pèlerines est volée. Oui. Oui, c'est un espace où il y a les humains, avec tout ce que ça comporte, évidemment. Et si j'ai mis ce cas-là, c'est parce que ça m'est arrivé moi-même. C'est-à-dire, effectivement, c'est quelque chose qui est présent. Au Moyen-Âge, on les appelait les coquillards. C'est-à-dire que c'était très connu. C'est le fameux coquillard, c'est ça. Ce sont des faux pèlerins qui se faisaient passer pour des pèlerins qui sympathisaient avec eux. Puis au moment où il y avait une distraction, hop, tac, c'était terminé. Mais ça allait parfois même plus loin. Donc c'était vraiment assez violent. Beaucoup moins violent, mais c'est toujours présent, c'est normal. Ouais. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. Et je trouve que le chemin de Compostelle, c'est un chemin d'expérience. Moi, quand ça m'est arrivé, je l'ai vraiment vécu comme une compréhension. J'ai appris beaucoup de choses par le fait qu'on m'ait volé. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Est-ce que vous étiez naïf ? J'étais naïf, et puis aussi la question du jugement. Au fil de la marche, je me disais, mais j'en venais à plaindre la personne qui m'avait volé, parce que c'est elle qui porte ce fardeau. Vous aviez été délesté. Voilà, j'étais délesté. Rien ne vous pesait. Voilà, donc j'ai tout un... Encore une fois, c'est la question de la perception. Et je trouve que ce chemin
Le fait d'être dans le calme, dans la douceur, dans cette, permet de percevoir les événements différemment. C'est en cela que ce chemin de Compostelle est un vrai chemin d'expérience et un chemin de vie et d'apprentissage. Vous dites très joliment, on ne peut asservir l'homme qui marche. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Henri Vincenot. Ben, je le cite, oui, évidemment, parce que c'est tellement beau. Et puis l'œuvre de Vincenot est tellement magnifique. Bien sûr, oui. Oui, on ne peut pas la servir, parce que l'homme qui marche, c'est un homme libre. D'une manière générale, c'est un homme libre. Et on le perçoit très bien lorsqu'on traverse les villes. Lorsqu'on est son sac à dos, on est effectivement en dehors, mais on est libre. C'est-à-dire qu'on se faufile, on est là, on n'est plus là, on est reparti, on est ailleurs. Et en même temps, on a son rythme petit, mais... Et on sait que même si c'est désagréable à cet endroit-là, parce qu'évidemment, on a envie des choses qui ne sont pas toujours faciles, des auberges pas toujours évidentes, voilà, il faut cohabiter, il faut rencontrer des gens, enfin, ce n'est pas toujours simple. Mais on se dit, bon, aujourd'hui je suis là, demain je serai ailleurs, ce sera sûrement mieux. Et voilà, ça donne un rapport à la vie qui est très différent. Alors, vous n'avez pas pris de personnage très, très chrétien récitant son chapelet. On n'en voit pas dans votre film. Non. Ça n'existe pas ou Si, ça existe. Ça existe, mais ce n'est pas quelque chose d'ostentatoire. De fréquent. C'est pas ostentatoire, en tout cas. Chacun, ce que j'ai ressenti, moi, sur le chemin, et ce que je voulais montrer, c'était que c'est un chemin extrêmement ouvert. Mmh. Et donc, ce n'est pas un chemin exclusivement catholique ou d'une obédience particulière. C'est un chemin de paix, c'est un chemin d'ouverture. On a à la fois des sportifs qui cohabitent avec des personnes qui sont dans une démarche spirituelle, développement personnel, religieux. Et tout ça fait que ça fonctionne très, très bien. Mmh. On se parle. On n'est pas spécialement toujours dans le rapport au religieux. En plus, j'ai un profond respect pour tout ce qui est religieux et j'avais du mal à envisager ma caméra. Vous trouvez que c'était impudique ? Voilà. Je trouve que le culte, c'est quelque chose de personnel, d'intime. Mm-hmm. Et elle passait ma caméra, filmer une messe ou autre. Ça me posait un problème de caméra extérieure qui tombe dans le folklore après et le jugement extérieur. Je comprends vos raisons. Alors, moi, ce qui m'a absolument ravi, mais qui a ravi mon âme, c'est les beautés que vous nous présentez. Depuis le petit pont extraordinaire, roman, qui se reflète dans l'eau, ce qui fait que nous avons deux ponts au lieu d'un, la plus modeste petite église, romane elle aussi, jusqu'à l'abbaye somptueuse, le cloître de rêve, le cloître de Moissac. Moissac, bien sûr. Qui est une splendeur. Merveille. Splendeur. Et puis les cathédrales, dès qu'on a passé les Pyrénées, c'est-à-dire Léon, Burgos, Léon. Léon, qui sont des choses absolument somptueuses. On a tout de même l'impression qu'on a une civilisation d'une beauté. Ah oui, on a une civilisation d'une beauté et ça ne tient qu'à nous de voir la beauté. Ce qui m'intéressait de montrer à travers ce chemin, parfois cet aspect esthétique, on me le reproche, on me dit oh, tout est beau chez vous. Ben, oui, moi j'aime le beau et si j'ai à choisir, je préfère poser mon regard sur le beau et essayer de voir ce qui est beau. Et même dans la plus petite chapelle, c'est beau, avec un rayon de lumière, au bon moment, au bon endroit, c'est beau. C'est un moment de grâce, on se dit c'est beau, c'est là, c'est vivant, c'est maintenant et c'est beau. Donc oui, c'est ce que je préfère et la nature pour ça est magnifique. Je veux dire, la nature est un temple, une splendeur. Alors bon, il faut se lever tôt. Parce que les belles lumières, c'est le matin ou le soir. Le soir, voilà, bien sûr, donc la nature, il faut. Donc ça demande. C'est pas. Le rendez-vous sont parfois délicats avec la nature pour ces moments-là, mais c'est des moments de grâce. C'est des moments de grâce. Oui. Mais c'est très important cette notion de beauté parce que Dante dit très très joliment que le mal est rentré dans le monde. Quand l'ange du mal a apporté la laideur. Tout à fait. C'est évident que le fait de... C'est en cela, on parlait tout à l'heure de l'aspect alchimique de ce chemin, quelque part. Il y a un travail qui s'opère au fur et à mesure des jours quand on marche. Imaginez ce pèlerin qui, le matin, part avec la lumière du soleil, les odeurs. Évidemment que ça l'élève. D'un point de vue spirituel, tout de suite, ça élève son niveau de perception. Et donc, c'est en cela que ce phénomène répété jour après jour, fait que le pèlerin s'élève, se transcende progressivement. Et comprend, il commence à placer sa personnalité au bon endroit,
ces fameuses personnalités par rapport à la transcendance. Parce que pour atteindre la transcendance, il faut d'abord se poser. Et donc, il y a tout ce chemin pour se poser. Et il y a effectivement cette fin de chemin avec, face à la mer, face... Là, c'est une splendeur. C'est une splendeur. C'est un appel à aller vers un autre monde. Et la beauté... L'esthétisme, l'élévation vibratoire ont été nécessaires pour cette élévation-là. Et puis, j'ai pensé au chant Moustaki, « Ma solitude, longtemps je t'ai aimé ». Cette façon de se réapproprier sa solitude. Et puis l'arrivée à Saint-Jacques et au Finistère, dans le Finistère. C'est ça, à la fin de la Terre. Fin de la Terre qui est un endroit magnifique. Splendide, chargé d'histoire, d'un point de vue vibratoire. Cette terre de cette région-là est très particulière, une terre très vivante. On sent que c'est une puissance. C'est à la fois la Bretagne, c'est l'océan, c'est la montagne. C'est très puissant comme terre. On sent qu'il y a une vibration. Et c'est assez peu touristique. Donc en tant que marcheur, on est vraiment au contact de la nature. Et puis ces trois derniers jours, après Santiago, c'est vraiment le cadeau, puisqu'on a quelque part, on a franchi l'étape, et maintenant tout est cadeau, et là on a quelques jours pour se promener près de la mer avec tout ça, et il y a ce Finistère qui symboliquement est la fin de la terre, c'est aussi l'endroit où traditionnellement les pèlerins brûlaient leurs vêtements pour montrer, signifier la mort de l'homme ancien pour faire naître l'homme nouveau, c'est le baptême, c'est vraiment l'idée de, on fait naître l'émergence de l'homme nouveau qui, fort de tout ce parcours, s'est nettoyé, s'est purifié et est prêt pour le prochain voyage. Et ça, c'est vraiment symboliquement, c'est magnifique. Merci beaucoup, Freddy Mouchard, pour ce très beau pèlerinage que vous nous faites faire dans ce beau CD Compostelle, le chemin de la vie. Alors, on le trouve comment ? On le trouve sur Internet sans difficulté. Le film est sorti au cinéma. Il est encore dans certaines salles, encore en province. Il vient de sortir en Belgique, en Hollande. Il fait son petit parcours. C'est un film documentaire. Mais Bethel Film. Et on vous prépare un nouveau film sur... C'est un film qui va se dérouler entre aujourd'hui le 13e siècle et on va s'approcher de la sagesse des cathares. Donc une époque intéressante, fort intéressante. Et je signale que tout le monde ne peut pas faire ce pèlerinage, mais le faire dans son fauteuil en suivant ce film, c'est déjà magnifique. Et puis aussi on peut, c'est ce que j'ai fait, j'ai loué un camping-car près des Pyrénées, et à Dax, et traversé les Pyrénées et suivi la route. Donc, en voyant ces fantastiques cathédrales, les Hombourgers, et arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, ce n'est évidemment pas le pèlerinage, mais si vous ne pouvez pas marcher, c'est tout de même un chemin, et l'arrivée au Finistère qui est magnifique. Voilà. Tout à fait. Le chemin, vous savez, le voyage, tout dépend dans quelle attitude on se place. Ça nous rappelle le magnifique livre L'Alchimiste, question du voyage, vous savez, c'est l'attitude, c'est la posture face au voyage. Chacun voyage à sa manière. Merci beaucoup, Freddy Mouchard. Merci beaucoup. D'être venu nous présenter ce très beau Compostelle, le chemin de la vie. Merci. Alors à très vite pour votre prochain CD. Avec plaisir. Amis de TV Liberté, à bientôt. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la choix de recevoir pour cette rubrique livre Jean Descartes. Bonjour Jean. Bonjour. Pour un très joli livre, François-Joseph et Sissi, Le devoir et la rébellion, chez Perrin. Alors, c'est un livre magnifique, 437 pages, mais qui est immense par l'ampleur du sujet, puisque c'est une fresque historique, des derniers feux de la dernière grande époque de l'Autriche, de l'Empire austro-hongrois. Et c'est aussi une très belle histoire d'amour. C'est l'histoire d'un amour que vous savez dépeindre, je trouve, très, très, très joliment. Je connaissais des caricatures de Sissi, on connaissait des caricatures de François-Joseph. Mais vous nous rendez la vérité de ces deux personnages de façon extraordinaire. Comment avez-vous fait ?
Bien, en fait, il y a d'abord eu la découverte de documents à la chute du communisme, il y a une trentaine d'années, dans les anciennes terres de l'Empire, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie à l'époque, oui. La Pologne, oui. Une partie de la Hongrie, etc. Donc, qui s'était libéré, si je puis dire, c'est intéressant, rien n'avait été détruit, tout a été gardé, comme en Russie, oui. Comme du temps des Romanov. Et puis, surtout, il y a un peu plus d'un an, il y a eu le centenaire de la mort de François Joseph, qui a été commémoré en Autriche d'une façon remarquable par grandiose. Quatre expositions grandioses, sous le titre « Un empereur éternel », ce qui prouve bien que la République d'Autriche ne renie pas son passé et ne dit pas qu'elle est commencée, n'est-ce pas, en 1918. Bon, elle, c'est la différence avec la France, effectivement. Et là, j'ai trouvé énormément de documents. Oui, des lettres. Des photos, des caricatures. Inouï de voir François Joseph et Sissi s'embrasser sur la bouche. Et des photos, puisque des photos, c'est les premiers temps de les premiers temps de la photo. De photo. D'ailleurs, il faut rappeler que l'empereur lui-même a été filmé en 1911, et on a sa voix, même dans un gramophone de l'époque. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'écrire une biographie croisée de ce couple, qui s'est aimé, mais qui était vraiment dans des positions extrêmement difficiles à cause du protocole et de la cour pendant les premières années. Mmh. Elisabeth, bon, a contre elle sa belle-mère qui est aussi sa tante. Une belle-mère un petit peu encombrante. Une belle-mère très encombrante, mais une belle-mère de théâtre, si je puis dire, qui veut être la grande dame de l'Empire et qui, d'après Metternich et Talleyrand, était le seul homme de la famille. C'est oui. Elle qui a permis à son fils en 1848 de recueillir la couronne dans des conditions difficiles. Enfin, elle est quand même gonflée de voler les oui. Trois premiers enfants de cette pauvre Sissi au sortir de l'accouchement. Je ne vais pas dire de la maternité puisqu'on accouche au château, mais... Absolument. Mais ce qui est grave, c'est que, dans le fond, c'est un grand malentendu. Sissi est trop jeune et sa belle-mère et tante est trop, je dirais, présente. Elle est captatrice. Épouvantable. Mmh. Et en fait, je découvre que Sissi n'a pas fui son mari, elle a fui la cour, elle a fui le protocole et tous les gens qui la regardaient. Donc c'est tout à fait différent. Ce qui est une habitude chez les Autrichiennes. Oui, absolument. On a une Marie-Antoinette aussi qui était comme ça. Ce sont des gens très... très sains, les Autrichiens. Ils sont attachés à la nature, à ils aiment les chiens, les chevaux, absolument. Les moutons. Voilà. Donc, tout ce qui est artificiel dans les convenances ne plaît pas du tout. Alors, quand on a des réactions saines et naturelles, effectivement, tout ce qui est fabriqué, ça ne va pas. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une période différente, si vous voulez, dans les voyages et les fuites de l'impératrice. Alors, on n'y est pas encore dans le... Non, mais après, je veux dire, la rébellion s'explique comme ça. Alors, l'originalité, on va dire ça comme ça, s'explique aussi par son père, le père de Sissi, qui est quand même pas non plus... c'est pas quelqu'un de conventionnel, le duc Max, mais il ne faut pas le prendre pour un idiot, homme original. Sissi est très intelligente. Sissi est très intelligente, très fine, c'est ce que je démontre, et c'est aussi une intellectuelle, non seulement une Amazone, mais une intellectuelle, ce qu'on a tendance à oublier avec Romy Schneider. Bon, le duc Max est un original qui a installé un cirque dans son palais à Munich, qui a joué de la sitar au sommet de la Grande Pyramide en Égypte, qui a acheté un négrillon dans un bazar du Caire, qu'il veut faire baptiser à Munich. Bref, quelqu'un de non conventionnel, qui déteste la cour et le protocole, qui veut être libre et qui élève ses enfants dans la nature, avec les chiens, avec les chevaux, avec la ferme, et voilà. Et donc, Elisabeth, très tôt, va écrire des poèmes au vent et aux arbres. Tout ça est tout à fait naturel. Et le duc Max est un homme raffiné dans son esprit, mais un original dans ses manières. Donc, il a des enfants très libres et heureux de vivre. Oui. Et évidemment, tomber dans la cour de Vienne, tout ça est un petit peu oppressant. Oui, c'est oppressant, parce que pour la jeune impératrice, donc qui n'a même pas 17 ans, voir arriver la grande maîtresse de la cour, la comtesse Esther Agy Liechtenstein, avec un énorme registre à ne pas faire, c'est épouvantable. Déjà, c'est traumatisant. Ça et la possibilité envie. De faire des choses, c'est mince comme ça, c'est épouvantable. Donc, il faut bien comprendre qu'on a un archétype de belle-mère et de belle-fille. Ce qui est fantastique, c'est que vous nous montrez la scène, où cette duchesse de Bavière, donc là, la sœur de l'impératrice, présente ses filles. Et c'est pas du tout Sissi qui devait être choisie. Non, c'était sa sœur aînée, Hélène, qui était trop parfaite. Mais ça, c'était le calcul des marieuses, les deux sœurs. Et puis, c'est raté parce que
Elle est bien, mais grande, élégante, mais n'a pas beaucoup de personnalité ni de charme, bien que ce soit... Alors que Sissi crève déjà l'écran. Sissi crève l'écran, elle arrive, elle a de la paille dans les cheveux, sa robe est un peu déchirée, elle est en retard, mais elle a un regard de miel, elle est souriante, on ne voit qu'elle dans la pièce. Et François-Joseph ? François-Joseph tombe amoureux fou d'elle, il le sera toute sa vie. Et il le sera toute sa vie. C'est très joli ce que vous dites et... Parce que la façon dont vous peignez cet amour de François-Joseph qui va tout faire pour rendre sa femme heureuse tout le temps. Oui, et qui va comprendre, dans le fond, relativement tardivement, grâce ou à cause de la Hongrie, que la beauté, le charme de Sissi sont aussi une arme politique. C'est intéressant, sur le plan constitutionnel, l'impératrice n'existe pas. On n'est pas du temps, si je puis dire, de l'audace de l'impératrice Marie-Thérèse. Et puis progressivement, comme elle a un instinct politique, et je démontre que c'est une visionnaire... Elle s'habille en hongroise. Bon, elle emmène ses enfants Enfants, elle aura une petite fille qui va mourir en Hongrie, ce qui cause un pacte tragique, je dirais, entre les Magyars et elle. Oui. Même si la petite serait morte de toute façon d'une fièvre typhoïde, mais... Surtout, elle a l'idée, elle comprend quelque chose de formidable qu'elle n'a pas encore compris François-Joseph, c'est que le monde germanique bouge grâce ou à cause de la Prusse et que ça ne sera pas l'Autriche qui va dominer le monde germanique dans une nouvelle formation et que par conséquent, la voie du Nord est bloquée, qu'il faut aller vers le Danube, vers les Balkans, vers la Hongrie. Et elle a l'idée de soutenir la naissance de l'Autriche-Hongrie. Elle apprend le hongrois, qui n'est pas une langue facile. Et évidemment, quand elle apparaît avec un gilet magyar, avec ses robes brodées, tout le monde craque. Et sa beauté. Elle est d'ailleurs tout à fait prophétesse à plusieurs moments. Elle parle des Balkans. Absolument. Elle écrit 24 ans avant Sarajevo, l'orage éclatera dans les Balkans. Alors personne ne l'écoute, personne ne la croit. Parce que d'abord, une impératrice qui se mêle de politique, de vision, on n'avait pas vu ça. Une femme, déjà. Je tiens à lui rendre justice. Et son fils, Rodolphe, a la même vision que sa mère parce qu'il voyage. C'est aussi l'intérêt des voyages. Alors, deuxième prophétie. Ma vie s'enfuira par une toute petite ouverture du cœur. Ça, c'est très frappant parce qu'elle a vraiment vu ce qui va lui arriver. Elle a été assassinée. Par un coup de poinçon fabriqué dans le péricarde. Elle voulait mourir seule. Elle est morte pratiquement seule, c'est-à-dire loin de l'empereur, à Genève. Assassinée par un anarchiste. Par un anarchiste, mais qui s'est trompé, qui ne savait pas qu'elle était beaucoup plus révolutionnaire que lui. Parce qu'elle a provoqué la cour, elle a provoqué les instances officielles. Elle a même reçu des exilés hongrois, des gens condamnés, des journalistes qui écrivaient des propos contre les Habsbourg. Et, au vu et au su de tout le monde, elle était d'une grande indépendance, avec pas mal d'humour aussi. Et bref, un charme fou, je comprends très bien. Quand on a une lettre de la baronne de Rothschild juste avant l'assassinat de l'impératrice qui dit « L'impératrice, lorsqu'elle entre dans une pièce, elle ne marche pas, elle glisse. Il se passe quelque chose, quoi. Il y a une apparition. Oui. » Donc c'est un élément, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, les Hongrois vénèrent son rôle dans l'identité hongroise, Erzsébet, parce que là-bas c'est la reine Erzsébet, et même la dictature stalinienne n'a rien pu faire contre les statues, le pont Erzsébet, etc. Très intéressant. Alors, il y a deux personnages aussi que vous ressuscitez et sur lesquels on apprend beaucoup de choses. C'est bien sûr Rodolphe. On le présente toujours... de façon un peu mièvre, une personnalité très intelligente, qui avait l'instinct que n'avait pas son père. Son père était, si vous voulez, son père était un homme de devoir et de protocole. Quelqu'un qui avait 10 minutes de retard à une audience, pour François-Joseph, le monde s'écroule. Il était un petit peu castré par sa mère. Alors, un peu castré par sa mère, qu'il n'a pas beaucoup vu, il lui en a voulu, mais il ne savait pas pourquoi elle partait tout le temps, elle fuyait sa belle-mère, elle fuyait les regards sur elle, c'est surtout ça, elle voulait bien avoir un rôle, mais pas qu'on la scrute en permanence. Oui. Et Rodolphe est un personnage... Non, je ne parlais pas de Rodolphe, là, je parlais de François-Joseph, qui a été...
Et puis, autre problème de François-Joseph, il y a un petit problème de consanguinité que vous abordez. Quand même, bah oui, quand même, effectivement, les cousins, ils sont doublement cousins, ça n'améliore pas le sang. Voilà. Mais retournons vers Rodolphe. Alors, Rodolphe, ce qui me frappe, si vous voulez, il y a une question à propos de... On vient tout de suite à Meyerling, il y a une question qui est frappante. Personne ne s'est posé cette question. Quels sont les parents, le père et la mère, qui, apprenant qu'un de leurs enfants est mort, ne se précipite pas à son chevet, même si, par définition, c'est trop tard. Ils n'y vont pas. Personne n'a réfléchi à ça. Alors, pourquoi n'y vont-ils pas? Pour moi, il y a deux hypothèses. La première, ils savent. La deuxième, la scène de crime est tellement atroce qu'il faut du temps pour tout préparer. Oui. Car ça se passe au matin du 30 janvier 1889. Oui. Où, dès le début, et je l'ai démontré dans un autre livre, et j'ai fait bouger l'opinion en Autriche, ce qui m'a... valu quelques ennuis, mais qui maintenant sont des avantages, je démontre que ça ne tient pas les explications officielles. Enfin, on a 8 explications différentes, les rapports d'autopsie changent tous les jours, et même la presse mondiale, dès le début, n'y croit pas, s'interroge. Par exemple, le Figaro du 1er février 1889, à la une, Meyerling, meurtre ou suicide, dès le début. Carrément. Il faut dire que on a plusieurs fois voulu tuer l'Autriche-Hongrie, voilà, et Clémenceau y est arrivé. Absolument. En tuant Rodolphe, l'héritier. On tuait l'héritier, et Sarajevo, c'est la mort de l'héritier de l'Autriche-Hongrie, qui dérangeait beaucoup. Donc, évidemment, Rodolphe et sa mère ne se sont pas vus assez quand ils étaient jeunes. Ils ont beaucoup de points communs. Le drame, c'est lorsqu'il veut épouser, ou qu'on lui fait épouser, la princesse de Belgique, Stéphanie, la malheureuse qui sera traitée de jument belge, d'arbre de Noël flamand, enfin bref, elle aura tous les qualificatifs, et que Rodolphe continue d'avoir sa vie dissolue. Il est malheureux avec sa femme, il va lui coller une maladie vénérienne, qu'elle confondra avec une péritonite, tout ça n'est pas parfait. C'est mieux. Plus convenable. Et en fait, là aussi, Elisabeth est visionnaire. Elle dit non, il y a déjà l'exemple de Charlotte et de Maximilien, l'union entre les Saxe-Cobourg et les Habsbourg, c'est pas possible. Elle est visionnaire aussi sur les drames. Alors, il y a une chose que je me permets de dire pour le lecteur, ce qui est très intéressant, c'est que François-Joseph est un homme d'une intelligence moyenne, mais qui est relevé par une capacité de travail qui est phénoménale. Sérieux. Ah. Il étudie ses dossiers. Premier fonctionnaire de l'Empire. Et un homme d'ordre et foncièrement gentil, foncièrement bon, peut-être trop bien. Il n'est pas armé face à l'imprévu et surtout la tragédie. Elisabeth, Sissi, qui vit dans le désordre, qui adore l'imprévu, qui déteste tout ce qui est convenu à l'avance, en cas de drame, de catastrophe, elle est d'un calme extraordinaire. Elle réagit bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je le démontre. Et c'est pour cette raison qu'au matin du 30 janvier 1889, le chambellan de la cour va s'adresser d'abord à l'impératrice pour lui annoncer la mort de Rodolphe, car on sait que c'est elle qui va trouver les mots, et nous ne saurons jamais lesquels, pour le dire à l'empereur, et non pas l'empereur. Donc, la rébellion et le devoir s'entraident mutuellement. Oui, c'est une... Et par moments, la rébellion sera chez François-Joseph, quand il en aura assez, des régimes alimentaires de sa femme, voilà. Et des fuites de sa femme. Bien qu'elle souffre. Bien qu'elle place à ses côtés des jeunes femmes pour... Oui, alors ça c'est assez intéressant parce que je démontre que, alors, Madame Schratt, la comédienne, dont on n'a aucune preuve qu'elle ait été la maîtresse physiquement de l'empereur, ce qui est drôle, c'est que Madame Schratt, choisie par Elisabeth, lorsqu'elles sont ensemble, les deux femmes parlent de François-Joseph, lorsqu'il est avec Madame Schratt, il parle de Sissi, lorsqu'il est avec Sissi, il parle de Madame Schratt, ce qui prouve que les ménages à trois, si je puis dire, c'est d'abord deux couples, et ça fait deux fois quatre. Bon, mais... Comme l'empereur était un homme saint qui avait des pulsions naturelles bien qu'illégitimes, j'ai trouvé au moins la photo de la seule maîtresse qu'on lui connaisse, une Polonaise, la jeune Anna Nawski. Quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, qu'il allait honorer très tôt le matin. Heureusement, elle aimait le matin, parce que en matière de petit déjeuner, 6 heures du matin au travail, et il partait après.
après un bon petit déjeuner. Tout ça est très hygiénique. Hein. Oui, très hygiénique et très sain, et ça s'est arrêté au drame de Meyerling. Oui, voilà. Alors, Elisabeth a-t-elle été consciente de tout ça? Non, elle n'a pas su. A-t-elle réalisé? Par moment, on a des éléments de lettre où on se dit qu'elle comprend qu'elle a tort de partir et de laisser cet homme sain, seul, tout le temps. Oui. Et puis, autre drame, son affection pour Louis II de Bavière oui. et la mort de Louis II qui, l'a, bah oui. Qui l'effondre. Alors, il y a quelque chose qui va hanter Élisabeth. Si elle avait été là, oui. Voilà, c'est si elle avait été là. Et dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien son cousin Louis II en 1886 que son fils Rodolphe en 89, on va avancer la folie. Et elle-même est une Wittelsbach. Donc elle se demande si c'est pas elle qui a transmis la folie à son fils. Et qui dit très justement, parce que c'est une spécialiste du théâtre de Shakespeare, elle dit, mais vous avez remarqué que dans le théâtre de Shakespeare, seuls les fous sont raisonnables. Intéressant. Et qui va souffrir de la mort de son cousin, elle est en face du château de Starnberg où il est enfermé. Qu'est-ce qu'elle attend? Une contre. Oui, qu'on va incarcérer. Voilà, qu'on va incarcérer, qu'on va retrouver mort dans des conditions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Oui. Qui s'est noyé, non? Voilà, oui, qui s'est noyé. Ou qu'on a noyé sans, non, qui s'est. Non, qui s'est noyé. Enfin, qui s'est pas vraiment noyé parce qu'on a retrouvé un rapport d'autopsie après par sa mère, une amie, la duchesse de Wurtemberg. En fait, il a dû avoir une crise d'épilepsie. Et il était énorme, il pesait 130 kilos. Oui. Et il a dû. Surtout, oui. on a trouvé sa langue tordue, donc il n'avait pas d'eau dans les poumons. Voilà. Mais d'accord. c'est épouvantable parce que c'est un homme qui, comme elle, avait ce souci du romantisme, même il s'appelait l'aigle et la mouette, il se mettait des oui, lettres dans une jolie maison au milieu du lac de Starnberg. La correspondance que vous évoquez est très belle aussi. Voilà, ce sont vous apportez des informations totalement inconnues et qui enrichissent considérablement cette histoire. Et puis, la fresque historique, nous assistons à l'inauguration du canal de Suez. Ah, ça, c'est fantastique. Oui, ça, c'est formidable. Et c'est une des phases où Sissi est un peu jalouse. Alors, elle n'a pas voulu y aller parce qu'elle se dit enceinte, ça va être fatigant. Mais finalement, quand elle apprend que l'impératrice Eugénie et son mari, donc l'empereur d'Autriche, font le couple vedette, elle est un petit peu jalouse. Et ça, c'est drôle. Parce que ces deux femmes, Eugénie et Sissi, je les ai mises face à face dans le livre, elles ont pas mal de points communs, elles n'ont pas l'air d'être passionnées par l'amour physique, on a compris. Elles sont peintes par Winterhalter, et le malheureux, on va lui demander laquelle des deux est la plus belle. Ça, c'est le genre de situation où il peut perdre les deux commandes. C'est sûr. Donc c'est il va dire l'une est sublime, l'autre est ravissante. Et puis alors, c'est aussi un guide touristique, j'ai envie de dire. Vous nous donnez envie d'aller dans des tas d'endroits. Godelot, oui. Qui existe toujours, qui n'a pas été détruit. Oui, qui a été restauré. Que j'ai connu, Godelot, qui est un château du 18e siècle, du temps de l'impératrice Marie-Thérèse, que le peuple hongrois a offert à Élisabeth, à Sissi Erzsébet, où elle a installé un manège pour les chevaux. Et j'ai connu ce bâtiment transformé en maison de retraite pour les anciens soldats de l'armée rouge à la fin du communisme. C'était poignant. Maintenant, ça a retrouvé sa splendeur. C'est magnifique à voir. Oui, la Hongrie est un pays formidable. Et vous savez, d'une certaine point de vue, musicalement, l'Autriche-Hongrie existe toujours. Hein. Il y a des échanges fantastiques. Ça existe plus que jamais. Plus que jamais. Et au moment où l'Europe de Bruxelles nie l'histoire, nie les nations, absolument. Nie la civilisation et le passé, j'ai voulu, dans ce livre, rappeler qu'il y avait une Europe humaine, d'abord. Absolument, et vous avez parfaitement réussi. Ce livre est un très, très joli livre. François-Joseph et Sissi, Le devoir et la rébellion, chez Perrin. Et merci beaucoup, merci Jean. Anne. Amis de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique Perles de culture, en ce début d'année, nous avons invité un peintre, Guillaume Lebaume, bonjour. Bonjour Anne. Vous le connaissez, il fait de très belles peintures, d'où il tire des cartes de vœux tout à fait magnifiques, et il rédige un blog qui s'appelle Blog à part, avec une
bon jeu de mots. Et vous avez tout de même rédigé 12 numéros en 2 ans, ce qui est tout à fait honorable, parce que voilà, vous faites ça tout seul. Ah oui, oui. Alors, ce sont des réflexions sur l'art, comme il va ou comme il ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce blog à part ? Rappelons-le pour les nouveaux téléspectateurs. Alors, effectivement, c'est concentré ou axé sur l'art essentiellement, sur l'image, mais pas forcément que, parce que je me réserve la possibilité aussi de parler d'autres sujets, puisque comme je suis le seul rédacteur pour l'instant... Vous ne réunissez pas le comité de rédaction. Voilà, et donc j'ai une totale liberté sur les sujets, mais c'est ton éclair et ma spécialité, et puis ma passion, et c'est essentiellement concentré sur l'image. Vous avez fait un article sur les décorations de Noël, en montrant une décoration assez hideuse, qui a été faite à Héraklion, donc en Crète. Alors, c'est une photo qu'un de mes amis m'a envoyée sur Internet et dont la légende stipulait qu'elle provenait de la mairie de Paris. Oui. Ce qui était en fait, au départ, j'y ai cru à un moment, mais en voyant le mobilier urbain, j'ai vu que ce n'était pas un mobilier parisien, donc j'ai demandé de réviser ses sources. Oui. Effectivement, ça provenait d'Héraklion. Oui. Et c'est une des guirlandes de Noël, lumineuses, électriques, qui sont de forme assez ambiguë, parce qu'on a l'impression que c'est effectivement Au premier regard, c'est deux boules de Noël et une bougie. Et une bougie avec des petites branches de sapin sur les côtés. Et tiens, ta bougie droite, comme dirait quelqu'un. Si on regarde bien la bougie, on s'aperçoit qu'elle est légèrement arquée et la flamme est un petit peu aussi ambiguë. Donc on s'aperçoit qu'en fait, c'est plus certainement qu'une bougie, un phallus, qui est les deux boules étant des testicules, et que les petites branches de sapin font penser à des petites ailes. Alors, comme vous l'expliquez très joliment, les Crétois et les Grecs ont des excuses, parce qu'en fait, dans leur culture très ancienne, dans l'Antiquité, le phallus est un élément de décoration qui revient souvent. Plus que de décoration, même, c'est un élément, c'est carrément un signe de fertilité, un talisman procure l'abondance, la fertilité. Je montre dans cet article des images. Oui. Évidemment, en voyant ça et sachant que ça provenait de Grèce, je me suis remémoré des images que j'avais déjà vues, notamment de phallus géants qui se trouvent à Délos, donc de membres en érection, qui sortent d'allées triomphales, si on veut. Oui. Et puis également des choses qui se portaient pour le commun des mortels, soit des bijoux autour du cou, ou on en voyait aussi, je montre des exemples de céramique, de stèles qui étaient au bord des routes ou à l'entrée des ponts, de phallus en érection et qui redonnaient de la vitalité ou de la force aux voyageurs. Il y avait également des processions où on pouvait... Alors, il y a très souvent le phallus ailé, d'où fait référence cette guirlande de Noël, qui apportait aussi à l'abondance, la fertilité. Souvent, on pouvait la laisser flotter sur une rivière, donc c'est une sorte de poutre avec des ailes articulées. Et ça, parfois, on la laissait flotter jusqu'à la mer, ou alors l'embouchure d'un fleuve, et ça allait fertiliser la mer, en quelque sorte. Et donc, j'en fais la corrélation aussi jusqu'au pointu, provençal. Les pointus, le bateau, Provence, oui. La petite barque de pêche qui a encore conservé ce phallus au-dessus de l'étrave. Alors, il est probable que beaucoup de pêcheurs ignorent, mais par tradition, continuent à répéter cette forme, et que ça, c'est un porte-bonheur également qui favoriserait une pêche fructueuse. C'est un signe de cette culture méditerranéenne antique. Voilà. Mais qui n'a pas grand-chose à voir, c'est vrai, avec Noël. Alors, justement, non, ça n'a pas... le fait, déjà, que cette forme... soit montré au moment de Noël. Alors, je ne sais pas si le décideur politique qui a décidé de faire cette décoration est au courant de cette symbolique antique. Mais ce que j'essaie de démontrer dans l'article, c'est qu'en fait, c'est probablement une provocation militante, puisque ces processions se faisaient en fait au retour du printemps.
C'était des hommages aussi qui étaient faits à Bacchus. Oui, oui. Et donc la fertilité revenant au moment du printemps. Oui. Et alors que ce n'était pas au moment du solstice d'hiver. Bien sûr. Il y a une autre provocation qui a eu lieu, vous êtes sans doute au courant, c'est à Rome, place du Vatican, sur la crèche. Il y a chaque année une très belle crèche au pied de la colonne, au centre de la place Saint-Pierre. Et cette année, il y avait, en plus de la Sainte Vierge, de Saint-Joseph, du petit Jésus et des moutons et des vaches, il y avait un cadavre d'homme nu, un malade, et toute une symbolique pour montrer qu'il fallait Noël, c'était la fête des migrants. Oui. Et la fête des malades. Or, après enquête, Réinformation TV nous a bien montré que cette crèche avait été commandée à un artiste qui travaillait en accord avec une communauté italienne, laquelle communauté promouvait les valeurs de célébration de l'homosexualité, de défense de l'homosexualité. Oui. Donc voilà où nous en sommes. Mais pour rester dans le domaine de l'esthétique, moi je suis frappée, mais vraiment frappée, de l'horreur des décorations qui jaillissent partout. Je ne sais pas à qui on donne les postes techniques dans les mairies pour choisir les décorations, mais c'est quand même le bas de gamme assuré. On a l'impression d'être à Ispahan, à Bagdad, pas en temps de guerre. Enfin, ces lumières, ces espèces de choses qui pendouillent. C'est vrai que les LED blanches, qui sont d'une teinte un peu bleutée, sont très froides. Une explosion de LED effrayante. Mm-hmm. Tout le monde se croit autorisé à polluer le paysage avec ces lumières. On se dit, mais la lumière, c'est quelque chose de... C'est un outil de création. Mais pour créer, il faut quand même en être capable. Donc, n'importe qui ne peut pas manier cette lumière. C'est certain qu'il y a, une perte du goût qui, à mon avis, est due à... Effectivement, nous parlions ensemble tout à l'heure en aparté d'Italie, mais pour en dire du bien, d'ailleurs, l'érudition qui est encore présente en Italie, chez les gens du peuple, bien souvent. C'est vrai qu'il y a une perte du goût qui est due à l'abandon, à mon avis, du dessin dans l'éducation. Et le dessin forme le goût, véritablement, par l'observation et aussi de l'érudition artistique. Et ça, je pense qu'on le... Alors, il y a ce que vous soulignez auparavant pour la crèche à Rome, il y a aussi les provocations politiques. Qui utilisent. Oui, puis il n'y a plus la mesure, il n'y a plus le goût, le célèbre goût français. Mmh. Bon, les illuminations des grandes rues, de la rue de la Paix, de la place Vendôme et tout c'était des décorations absolument fabuleuses, qui d'ailleurs utilisaient des décorations florales. Feuilles, des branches de sapin, des nœuds rouges ou des nœuds dorés. Ouais. Mais ce n'était pas cette espèce d'excès de lumière. Je pense que l'art français étant un art très mesuré. Mesuré, la mesure. Et sobre, sobre en général. Mais je pense que c'est dû notamment à l'abandon du dessin. Ouais. Et donc du sens des proportions, notamment, qu'apporte le dessin, l'observation de la nature. Ouais. Le recul aussi par rapport à la démesure dont vous parliez. Et puis j'ai envie de dire la stupidité. Près de chez moi, j'ai une église qui est quand même une église du XVIIe siècle. Ils ont mis des LED, des fourreaux de LED à mi-colonne. Ça coupe l'élan de la composition. C'est un peu trop. Enfin, je veux dire, on est effaré. Et le citoyen, qui est quand même un petit peu au courant de l'esthétique, ne peut absolument rien dire. Ne peut pas prendre son téléphone en disant, type qui dirige les décorations, ça suffit. Vous ne pouvez pas nous polluer notre paysage comme ça. Donc on est obligé de supporter pendant un mois. Ça fait un certain temps que le citoyen ne peut pas dire grand-chose. Vous avez raison. Alors, vous avez fait aussi un article très intéressant sur la symbolique des timbres. Là aussi, c'est un domaine qui est très abîmé.
Alors, la symbolique des termes est très intéressante. C'est vrai que bon, la symbolique, comme la symbolique de toutes les images. Tout est symbolique. Tout est symbole. Alors, il y a différents. L'art, c'est toujours une forme de symbole. Ça peut, qu'il soit spontané ou que ce soit une construction lente, même quand c'est spontané, c'est au moins l'émanation d'une pensée, de toute façon. Et là, en l'occurrence, c'est de. Alors, il y a une partie, il y a deux timbres que je. Enfin, deux parties dans cet article. Il y a un timbre dont je vais parler après, qui est la commémoration du chemin des dames. Oui. Et puis, il y a deux timbres qu'avec un peu d'humour, je mets en rapprochement. C'est-à-dire Marianne 100 ans après. Donc, on voit la Marianne semeuse de la Troisième République, oui. qui est dans une population encore largement paysanne, oui. est un symbole fort. Et inspiré de Millet. Et inspiré, effectivement, oui, des paysans de Millet, oui. Et puis qui est le symbole de la France qui construit, qui sème pour récolter plus tard. Et labourage et... Et pâturage, et pâturage les mamelles de la France. Sont les mamelles de la France, voilà. Exactement, effectivement, on est encore dans cet esprit. Et la Marianne, 100 ans après, qui a la tête dans les étoiles, on a l'impression qu'elle est shootée par l'Europe dont elle attend tout. Donc, ce sont deux, voilà, c'est un clin d'œil sur 100 ans de Marianne. Mais... On pourrait le développer avec oui. les différentes Mariannes qu'il y a depuis. On va tomber sous le coup de la loi, donc on ne peut absolument pas continuer cette conversation, Guillaume. Je vous reprends. Là, je pense que c'est encore possible. et puis, donc, un timbre qui m'a frappé en allant à la poste, comme tout un chacun, qui est sur la commémoration du chemin des dames. Alors, un ami m'a dit, tiens, je l'aurais pas vu ça. Mais c'est vrai que quand on dessine et qu'on a l'œil un peu aiguisé aux images, moi, évidemment, c'est ma passion, l'image. Bien sûr. J'ai tout de suite... Non, mais décrypter une image, c'est une habitude, il faut être éduqué à ça. Un véritable réflexe. Absolument. Qui vient en une fraction de seconde, en fin de compte. Et bon, j'ai eu des grands-parents, comme beaucoup, qui ont été dans les tranchées de la guerre de 14, et dont un des deux a fait le chemin des dames aussi. Mmh. Et donc, comme je les ai connus, j'étais un peu frappé quand même par... j'aime pas tellement parler du terme choqué, mais un peu révulsé quand même par cette image, qui rend hommage, et ça c'est très sympathique, aux tirailleurs sénégalais, qui ont payé un lourd tribut proportionnellement au nombre de troupes engagées. Mmh. C'était des troupes d'élite aussi à l'époque, les tirailleurs sénégalais. Mais comme c'était une offensive en l'occurrence, les Français ont tiré quand même, je crois, 6 millions d'obus dans la semaine, je crois, ou dans les quelques jours précédant l'offensive qui a été menée rapidement, mais qui a été une catastrophe. Et ces tirailleurs sénégalais ont eu 7500 tués. Sur, je crois, 16 500 engagés. Mmh. Mais les Français ont quand même eu 200 000 morts. Oui. Donc les troupes coloniales, en l'occurrence ces troupes coloniales, ont été lourdement frappées en proportion. Mais personne ne l'a nié d'ailleurs. Personne ne l'a jamais nié. Ils ont tout notre souvenir ému, bien entendu. Mais ce qui m'a choqué, c'est la façon avec laquelle les choses sont présentées. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des tirailleurs sénégalais qui sont... Au combat. Et qui par ailleurs sont vêtus avec une erreur historique. Je parlais d'horreur, parce que c'est le champ d'horreur, le champ d'honneur, en l'occurrence, en 14. Et à mon avis, cette erreur historique, elle est volontaire, parce que c'est un dessin qui est bon, sur le plan, pas sur le plan de la composition, elle est très maladroite, mais parce qu'ils ont voulu articuler un message qui s'articule mal sur le plan de la composition. Mais cette erreur, à mon avis, est volontaire parce qu'aujourd'hui, on est quand même très bien documenté sur les uniformes. Oui. Et elle met les tirailleurs sénégalais, l'image, la colore en bleu horizon, alors qu'en fait, ces troupes coloniales, à l'époque, avaient une tenue kaki. Bien sûr. Par ailleurs, pour qu'on les perçoive bien, leur chèche, qui est le chapeau que portaient ces tirailleurs, est d'un rouge vif, afin qu'il accroche le regard tout de suite. Oui. Et ce rouge vif, en fait, était effectivement la couleur de ce chèche, mais au combat, et il était camouflé avec un manchon. Bien sûr, sinon ils auraient été des cibles monstrueuses. Ils auraient été des cibles affreuses. Ça fait deux erreurs, et il y a substitution, en quelque sorte, dans ces couleurs d'uniforme, parce qu'à côté, on voit les poilus français qui sont bien planqués dans un abri souterrain, dont celui qui est au premier plan nous regarde d'un air goguenard, etc. Donc,
eu égard à ce qu'ont vécu tous ces hommes, tirailleurs sénégalais compris, comme le poilu qui fut le paysan français, j'ai trouvé que c'était une substitution qui, le message qu'on veut nous faire passer aujourd'hui sur l'immigration, etc., j'ai trouvé que c'était un message subliminal qui était lourd de conséquences parce qu'il risquait, pour toute une population immigrée qui sont là, pour gagner leur vie, etc. De dire, vous voyez, nous avons fait le travail et vous, vous étiez planqué. Qui substitue finalement, voilà, c'est ça, exactement. Et qui fait croire que finalement l'Européen est toujours profiteur, exploiteur, etc. Bien sûr. Donc j'ai trouvé que c'était lourd de responsabilité pour la Poste. Il y a un autre fait, moi, qui me frappe, parce que je suis allée à un comptoir de vente de la Poste à l'avenue du Montparnasse. C'est la prolifération de sujets pour ces timbres complètement apolitiques. Alors maintenant, il y a des belles poules, des beaux moutons, des belles vaches. On décline d'ailleurs toutes les races de vaches, parce que là, il y a encore des races dans les vaches. Même dans les chevaux, il y a aussi des races. Les êtres vivants, y compris les plantes, sont adaptés à leur milieu géographique. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait cette explosion qu'il y avait, en tout cas dans mon jeune temps, de très belles églises, de très beaux châteaux. Il faut les demander avec beaucoup, beaucoup d'insistance. Et dans les bureaux de poste, il n'y en a plus. Ces temps-ci, récemment, oui, c'est vrai que le prix du timbre augmentant de façon considérable, c'est vrai que les timbres qui sont sans prix, donc qui passent l'inflation, si on peut dire, c'est assez banal, souvent, le sujet, effectivement. Banal, mais c'est surtout pour éviter la connotation politique, dans un sens ou dans un autre. Mais c'est vrai que tout donc, est politique. Donc tout ça est triste. Tout ça est très triste. Ouais. Et puis, si vous demandez un joli timbre, on vous donne un truc de bande dessinée. Pas la bande dessinée haut de gamme, mais la bande dessinée lambda. Moi, je ne mets pas Mickey sur mes lettres. Je suis désolée, mais c'est... Il y a eu un très beau timbre de commémoration sur Saint-Louis, peut-être la Saint-Louis. Commémoration de la naissance de Saint-Louis. Oui, oui, en effet. En 2014, je pense. Oui, en effet. Mais c'était il y a déjà bien longtemps. Alors, vous faites aussi, bien sûr, des articles sur cet art contemporain si rigolo. Vous avez tout un article sur le plug anal de la place Vendôme et vous le montrez dressé, puis vous le montrez affaissé avec ce texte. Une érection ne peut pas être éternelle. Voilà, donc c'est ce qui m'a bien plu. Mais... est-ce que vous croyez qu'ils vont oser, ils vont continuer? Remarquez, ils ont continué avec la sculpture devant le parc Beaubourg, devant le musée Beaubourg. J'ai une grande capacité à les oublier. C'est une sculpture assez horrible. On dirait des Playmobil géants. Et c'est un petit bonhomme qui fornique avec un animal. Ah oui, j'ai vu c'est ça. Plaisant. Exactement. C'est plaisant, c'est agréable. Pour les enfants, c'est festif. Festif. Ouais. Festif. Effectivement. Mais en fait, dans cet article, j'essaye de décrypter la démarche de ce qu'on appelle ce qui est appelé l'art contemporain, mais qui en fin de compte n'est pas que l'art contemporain. Ça peut entrer dans la première case que je vais donner, ce personnage Playmobil dont vous parlez. C'est d'abord de nous ramener à notre condition animale en montrant tout le temps ce qu'il y a de plus, les bas instincts finalement de l'être humain. Donc ça sera nous ramener l'être humain au tube digestif et au sexe. D'où les petits flacons avec de la merde, pardonnez-moi. Voilà, c'est une merde d'artiste. Et la machine à faire de la merde de cet artiste belge. C'est ça. Donc que je montre dans l'article d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que un des buts aussi, c'est vous avez remarqué d'ailleurs que l'art contemporain s'acharne sur la religion catholique en général, et il faut en fait promouvoir l'athéisme, parce que bon, moi j'ai rien contre les athées, chacun fait ce qu'il peut pour essayer de donner une explication aux choses
On ne peut que les plaindre. Et voilà, absolument. Et essayer de vivre avec notre condition de mortel, c'est difficile de vivre avec cette idée-là. Mm. Et justement, ça génère une angoisse, le fait d'être, de penser qu'il y a de parier sur le néant, sur le néant, en fin de compte. Et ce pari sur le néant, je pense que le système capitaliste parie là-dessus, justement. Mm. Pourquoi ? Parce que ça crée un mal-être qui favorise la consommation. Alors, et donc, c'est ce que je tente d'expliquer. Très bonne explication. Et c'est pour ça que ça nous ramène à une des tendances de l'art contemporain, prétendument contemporain, je n'aurais pas dit, l'appeler art, c'est de nous ramener à notre condition animale. Donc, tube digestif et sexe. Donc ça rentre dans la case, le personnage vous m'avez indiqué. Deuxième élément important, but, c'est de détruire les cultures propre, enfin national, l'art français, c'est pas rien, c'est énorme, comme dans la culture mondiale, l'art français a une place considérable, comme l'art italien, peut-être un peu moins importante que l'art italien, parce qu'elle le suit parfois, mais parfois elle mène aussi, sous Louis XV, bien le style rocaille, ou le gothique, c'est français. Et il n'y a pas de balance dans ce domaine. Non. On ne met pas les œuvres d'art sur une balance. Il y a des chefs d'œuvre partout. Non. Et même l'islam qui est aniconiste, qui ne, il se déchaîne sur les tapis, sur des formes abstraites. Mais l'être humain a besoin de créer des œuvres d'art, en fait. Donc détruire les cultures pour servir la mondialisation. Parce que tant que à une époque, le capitalisme avait besoin de créer des nations, maintenant il a besoin de les détruire pour se développer. Donc le fait, l'art est un élément identitaire extrêmement fort pour une civilisation. On peut penser à l'art chinois, etc. Et donc cet art contemporain sert à la destruction des cultures. C'est pour ça qu'on le voit œuvrer, enfin si on peut dire, polluer des lieux prestigieux et qui sont des lieux forts de la culture française, comme le château de Versailles, où en ce moment on s'acharne dessus en permanence, parce que c'est Louis XIV, c'est un symbole très fort de la France, c'est le monument le plus visité ou presque après la Tour Eiffel, où les gens viennent du monde entier pour le voir, ou la place Vendôme avec cette érection... un truc incroyable, un godemiché anal, comme s'il savait à faire. Je ne savais même pas que ça existait, enfin, je l'ai découvert lors de ça. Et avec toujours des trucs un peu ambigus, c'était au moment de Noël aussi, donc on a l'impression que c'est un sapin, ça plus ou moins. Oui. Voilà. Et aussi sur la place Vendôme, qui est un lieu créé par Louis XIV encore. Et puis à côté de la colonne d'Austerlitz, la colonne qui, pour ridiculiser aussi, donc c'est toujours un petit peu d'humour pour ridiculiser des monuments, profanant au passage tous les morts, les victimes de cette bataille, qui est une victoire éclatante de l'armée française. Oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça aussi. Donc voilà, c'est deux destruction. Éléments. Destruction des nations. Et puis le troisième élément, c'est un produit financier. C'est en créer un produit de spéculation financière. Donc j'explique dans cet article également. Guillaume Lebeaube, on resterait des heures à vous écouter. Ce moment a passé très vite. Vous revenez quand vous voulez. Juste un petit mot, c'est que cette gazette est totalement gratuite. Donc si vous voulez blog à part, si vous voulez l'obtenir, sur Internet. Elle est sur Internet. Alors elle est sur Internet, sur Blogspot. Blogspot, c'est on peut les mettre en blog. D'accord. Sinon, vous l'envoyez mail, en une façon, comment dire, une sorte de courrier confidentiel à ceux qui s'y abonnent. Très bien. Mais ce que j'envoie aux abonnés est mieux que ce qu'il y a sur Blogspot, parce que Blogspot m'impose une mise en page. Ah oui. Alors que je fais ce que je veux sur bien. Le courrier. Bravo. Merci beaucoup pour ce beau travail, merci. Guillaume Lebeaube. Amis de TV Liberté, à très vite.